Cosmestev arrivait en vue du fumoir, quand in extremis, au moment où il allait lui marcher dessus, il la vit. La petite bête, éclairée par la lumière de la lampe de poche, était en train de traverser le couloir devant lui. Elle le faisait à son rythme, sans précipitation, mais au péril de sa vie. Pour quelle raison, dans quel but, elle seule le savait. Sa motivation était en tout cas assez forte pour qu'elle entreprenne un parcours aussi périlleux. L'escargot avait dû sentir Estève arriver, car il s'était aussitôt arrêté sur place. Ses cornes s'étaient rétractées, puis son corps tout entier avait disparu à l'intérieur de la coquille. Il faisait le mort. Les escargots font très bien le mort. Ils s'enroulent entièrement à l'intérieur d'eux-mêmes et n'en bougent plus. Au bout d'un moment, on les oublie et lorsqu'on passe devant, on est persuadé qu'ils ont déserté leur coquille. Estève savait donc bien que son escargot faisait semblant. En attendant que l'orage passe, il faisait mine de ne pas être là. Tout dans son attitude voulait dire « Surtout faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Peut-être vous m'avez vu, mais en fait, je ne suis pas là. » S'il avait pu s'évaporer, il l'aurait fait sur le champ. La question qu'Estève se posait, c'est comment il avait fait pour arriver là. Par où était-il passé? Il imaginait le périple qui avait été le sien, tous les couloirs qu'il avait dû suivre, les obstacles qu'il lui avait fallu surmonter, les fausses routes qu'il avait prises, les pièges, les menaces. Et il éprouvait de l'admiration pour la petite bête, fragile et vulnérable, qui gisait à ses pieds. En comparaison, son existence était une sinécure et son mérite un signe. Dire qu'il avait failli l'écraser. Un pas de plus, une seconde d'inattention et il l'a piétiné sous sa chaussure. Estève ne se le serait pas pardonné. Il ressentait de l'affection pour les gastéropodes dans leur ensemble, limaces et colimaçons confondus. Comme eux, il avait porté toute sa vie, sa maison, sur son dos. Comme eux encore, on le jugeait lent et peu laborieux. Tout ça parce qu'il lui était arrivé de se vanter de n'avoir jamais travaillé de sa vie. C'était pourtant vrai. Et contrairement aux apparences, il ne méritait pas plus que ses amis escargots la réputation de paresse dont on l'accablait. La vérité, c'est qu'il ne rechignait pas à la besogne quand il le fallait. Mais il fallait que celle-ci ait un sens précis et si possible, non dénué de poésie. Ce n'était pas parce que l'escargot avançait au ralenti qu'il parcourait vaillamment 1 millimètre à la seconde. Autrement dit, si tout se passait bien, si aucun aléa ne venait perturber sa trajectoire, au mieux 6 centimètres en 1 minute, qu'il fallait mésestimer et mépriser les qualités mentales et physiques qu'un pareil effort nécessitait. Estève s'apprêtait à enjamber l'animal et à rejoindre enfin le fumoir pour une ultime cigarette quand, à quelques pas de là, il aperçut une deuxième bête à cornes. Celle-ci, mue par une pulsion profonde, avançait sans faiblir vers sa congénère.
glissant sur la bave sécrétée par ses glandes, son pied visqueux se contractait, puis s'allongeait, laissant une traînée brillante derrière lui. N'étant visiblement gêné ni par la lumière, ni par la présence humaine, l'animal progressait à vue d'œil. Estève contempla cette traînée brillante qu'abandonnait la bête derrière elle, et elle ne put s'empêcher de songer que quoi que nous fassions, nous autres misérables vers de terre, ne laissions pas grand-chose de plus de nos existences. Notre passé, que nous abandonnons mollement derrière nous, n'avait guère plus de consistance que ce trait de bave. Averti de la présence du second escargot, le premier avait ressorti le bout de ses antennes. Après un temps d'observation et devant l'arrivée imminente de son congénère, les cornes s'allongèrent et le pied s'extirpa en douceur de la coquille. Il commença alors à se contorsionner et, couvrant le sol devant lui d'une salive épaisse, il se mit en mouvement. Estève comprit que l'animal avait entrepris de faire demi-tour. Il voulait se présenter de face à celui dont il ignorait encore s'il s'agissait d'un rival ou de son prochain amant. Faire demi-tour pour un gastéropode n'est pas une mince affaire. C'est comme manœuvrer un camping-car privé de marche arrière dans les venelles d'une cité historique. L'escargot ne se déplace que vers l'avant. Et pour lui, faire volte-face relève du défi sportif. Il allait en baver. C'était obligé, compatit Estève. Estève aurait pu passer des heures à observer l'escargot faire demi-tour sur lui-même. Le voir tourner, se mouvoir péniblement, progresser millimètre par millimètre, se révélait un spectacle aussi passionnant qu'instructif. Pour qui avait la patience de s'y attarder et de considérer la chose à sa juste valeur, c'était une incomparable leçon de vie. C'est en les observant, par exemple, qu'Estève avait compris qu'il n'existait pas d'obstacle infranchissable. Il n'y avait pas de situation sans issue. L'obstacle, lui avait-il appris, est souvent plus apparent que réel. Il suffit généralement de le contourner ou plus simplement encore de passer son chemin. Lorsque les deux escargots se retrouvèrent face à face, ils projetèrent sans préambule leurs cornes devant eux. Puis, salivant abondamment, ils s'enlacèrent langoureusement. Estève avait le sentiment qu'ils étaient réellement en train de s'embrasser et il ne put s'empêcher de les jalouser. Que n'aurait-il donné à l'instant présent pour être à leur place ? Pour avoir le loisir d'enlacer sa belle et lui baver dessus sans retenue. Les deux bêtes cherchaient maintenant à grimper l'une sur l'autre, mais elles glissaient sur les coquilles humides et elles retombaient mollement sur le sol. Leurs pieds emmêlés se relâchaient, se dégageaient de l'étreinte et repartait à l'assaut de la colline à gravir. Estève crut qu'il s'apprêtait à s'accoupler, mais les deux bêtes se firent de nouveau face, et au même moment, chacune enfonça dans la chair de l'autre son dard. La communion des corps ne pouvait visiblement avoir lieu qu'après le baptême du sang.
Estève pensa alors à la harpie, à Marie-Jeanne, à Monique. Il songea à toutes les belles de nuit qu'il avait étreintes ou ne serait-ce que courtisées. Et il se dit qu'il partageait assez cette conception. Avant de s'abandonner dans les bras de ses amantes, lui aussi avait besoin de leur injecter son dard d'amour. À force de constater ce qu'il partageait avec les gastéropodes, il en venait sérieusement à se demander si, avant de vivre cette existence d'homme, il n'avait pas déjà vécu une vie d'escargot, de limace. Ce n'était pas habituel. Mais cela n'aurait en même temps rien eu d'exceptionnel. Empédocle, à son époque, ne se rappelait-il pas avoir été dans sa vie antérieure un laurier rose? Alors, pourquoi pas un colimaçon? Ce qui a été rené, dit-on depuis Pythagore. L'escargot a une relation très forte avec la mort. Et pas seulement parce qu'il s'agit d'un charognard qui ne dédaigne pas sucer les os des cadavres. L'escargot est un psychopompe qui a le pouvoir de guider les âmes des défunts dans leur traversée des ténèbres. C'est un passeur, un guide qui vous accompagne dans l'ultime voyage. Le moment venu, les âmes entrent dans la spirale de la coquille par le point central, puis s'en éloignent progressivement, tout en continuant à tourner autour, se perdant peu à peu dans la nuit sans fin. Cette rencontre n'était pas fortuite. Estève n'avait pas rencontré ses escargots sans raison. Il n'avait pas assisté à leur accouplement simplement par hasard. Cela avait un sens. Il y avait une signification précise à cette scène. Venait-il le chercher? Voulait-il lui montrer le chemin? Les deux bêtes, enroulées l'une dans l'autre, paraissaient n'en faire plus qu'une. Une bête unique et étrange, luisant dans la pénombre, dotée de quatre paires de cornes et de deux coquilles hélicoïdales qui lui donnaient l'allure d'un monstre mythologique, d'une sorte de minotaure miniature. Il faudrait qu'il pense, lors de sa prochaine consultation, à parler au docteur Ripouille de cet étrange tête-à-tête. Il était certain que cela l'intéresserait. Sans doute celui-ci ne manquerait-il pas de lui citer Carl Jung et de lui rappeler que l'escargot est la représentation de soi dans les rêves, qu'il incarne à la fois l'intérieur et l'extérieur, ce qui fait qu'il héberge en même temps le moi et le surmoi. Estève ne l'interromprait pas. Il laisserait le docteur Ripouille parler, développer son analyse, donner des exemples, ouvrir des parenthèses. Il ne le couperait que pour lui demander une précision, un éclaircissement, et écouterait patiemment ses explications et ses réponses. Plus le docteur Ripouille parlerait, moins lui-même n'aurait à le faire. De manière tout d'abord imperceptible, puis de plus en plus nettement, les deux animaux se détachèrent l'un de l'autre, retrouvant leur forme initiale. Leurs ébats s'étaient conclus par un spasme dont la quiétude avait laissé Estève pantois. Il y avait beaucoup de maîtrise dans leurs gestes, et un calme étonnant avait présidé à leur accouplement aussi long que sophistiqué.
Il y avait indéniablement des enseignements à tirer de cette copulation empreinte à la fois de sérénité et de sensualité. Une fois séparés, les deux escargots salivant de plus belle reprirent chacun leur route avec une égale indifférence. Leurs antennes dressées devant eux, ils rampaient en sinuant sur le sol en quête d'une autre rencontre et d'un nouvel accouplement. Estève avait l'impression qu'il n'avançait pas. Or, il ne pouvait que constater que l'un et l'autre, au fil des secondes, à coups de millimètres, progressaient et s'éloignaient. Les éclairant avec le faisceau de sa lampe, il les suivit alternativement, les observant avec attention. Avant qu'ils ne se confondent dans la pénombre et disparaissent tout à fait, il remarqua que si les deux bêtes appartenaient à la même espèce et étaient à peu près de la même taille, le dessin de leur coquille, en revanche, les différenciait. Si l'hélice de l'une tournait normalement dans le sens des aiguilles d'une montre, celle de l'autre tournait à l'envers, de gauche à droite. Laquelle ? Se demanda-t-il en éteignant la lampe, plongeant brutalement le couloir dans le noir. Laquelle de ces deux bêtes en charge mon âme. En réalité, nous ne savons rien des sentiments du hareng. Nous savons simplement que son squelette se compose de plus de 200 cartilages et os, dont l'assemblage s'avère des plus complexes. Les signes extérieurs distinctifs sont la forte nageoire caudale, la tête étroite, la mâchoire inférieure légèrement proéminente et l'œil grand. La pupille noire flottant dans l'iris d'un blanc argenté. Le dos du hareng est d'un vert bleuté. Quelques écailles aux reflets d'or orangé soulignent encore la blancheur immaculée, métallique, de ses flancs et de son ventre. À contre-jour, l'arrière brille d'un éclat vert foncé, d'une beauté sans pareille. Les couleurs du hareng change lorsque la vie s'est retirée de son corps. Le dos devient bleu. Les joues et les branchies se marbrent de rouge sous l'afflux du sang. Une autre particularité du hareng tient à ce que son corps mort devient luminescent lorsqu'il est exposé à l'air. Ce pouvoir éclairant, analogue au phénomène de phosphorescence, et cependant totalement distinct de ce dernier, atteint son point culminant quelques jours après la mort, puis décroît au fur et à mesure que le poisson est gagné par la décomposition. On a longtemps ignoré, et je crois d'ailleurs qu'on ignore encore, la nature de la luminescence observée chez le hareng mort. Vers 1870, alors que l'on travaillait partout à des projets visant à l'illumination totale de nos villes, deux savants anglais auraient étudié de très près le singulier phénomène, dans l'espoir de découvrir, à partir de la substance lumineuse exsudée par les harengs morts, la formule qui permettrait de fabriquer une essence lumineuse organique, se régénérant indéfiniment d'elle-même. L'échec de ce projet excentrique
ainsi que je l'ai lu récemment dans une monographie sur l'histoire de la lumière artificielle, ne devait pourtant pas constituer un revers de taille dans le processus au demeurant irrésistible de refoulement des ténèbres. Né à Nefiac, dans les Pyrénées-Orientales, Roger Cosme-Estève est avant tout catalan. Mais être catalan ne l'empêche nullement d'être en même temps berbère, hindou ou new-yorkais. Quand il séjourne en pays d'Ogon, au flanc de la falaise de Bandiagara, il devient aussitôt d'Ogon et ramène dans les filets de sa palette de longues et énigmatiques pirogues flottant dans le noir de fumée qui enveloppe les eaux épaisses du fleuve Niger. Quand, pendant 2 ans, il se retire dans la petite bourgade de Walidia, face à l'océan souvent furieux, il devient marocain, et peint la lagune, le ciel d'orage, ou les palmiers bleu-azur qui bordent la route qu'empruntent les grands taxis qui se rendent à Marrakech. Quand le hasard des rencontres l'amène à Tashkent, au cœur de l'Ouzbékistan, il devient ouzbek et griffonne sans fin des yourtes mongoles égarées dans la steppe venteuse. Roger Cosme-Estève est un nomade, un peintre migrateur qui vit ici et ailleurs, mais toujours un pinceau à la main. On pourrait penser que l'on a affaire à un caméléon changeant de couleur au gré des saisons et des régions du monde, mais il n'en est rien. Roger Cosme-Estève est avant tout un homme. Un homme changeant, certes, aux multiples facettes, aux humeurs variées, tout à la fois laconique et volubile, absent et chaleureux, éteint comme la cendre et vif comme la flamme, mais avant tout un homme de chair et de sang, que la vie a ravi autant qu'elle l'a secoué, malmené et même tourmenté à certaines époques. À chaque fois, il est revenu à la peinture. Coûte que coûte. À chaque fois, il est rentré au pays. Il s'est remis à battre la campagne roussillonnaise. Il est allé marcher le long de la rivière. Il a coupé des roseaux, ramassé des escargots, des herbes. Puis il a allumé le feu, mis de la musique et il a commencé à préparer à manger pour les amis ou la famille. Mais que l'on se rassure, être homme ne l'empêche nullement d'être hareng, morue séchée ou boudin noir, rognon mariné au vin de morille ou alcool blanc à la cerise. Roger Cosme-Estève n'est pas seulement peintre, il est également cuisinier. Un cuisinier tout aussi excellent que le peintre, au point qu'on ne sait plus s'il cuisine comme un peintre ou s'il peint comme un cuisinier. Ce qui est sûr, c'est que ses plats sont aussi sombres, aussi savoureux que ses toiles. Il est vrai que les premiers sont préparés à l'encre de sèche et les seconds au noir sépia ou au brou de noix. À son dernier repas, il y a d'ailleurs fort à parier qu'il ne commandera que des plats carrément noirs. Tofu de soie aux algues brunes, œufs coques de caille au caviar, crevettes grises à la gelée marine et pour finir, en dessert, de la glace à la réglisse.
À moins que plus en accord avec ses origines populaires et révolutionnaires, il renonce à ses plats trop sophistiqués et se régale d'une simple grillade accompagnée d'une poignée de riz noir et quand même d'une cuillère d'aïoli. On ne se refait pas. En posant un jour sa valise au début des années 2000 en pays gaillacois, Roger Cosmestève ne s'est pas refait. Il est resté le même, autrement bien sûr, les pieds posés sur la terre du Tarn, la tête dans le ciel bas qui recouvre les rives du fleuve, mais fidèle à ce qu'il est, à la fois ultra-local et universel. À la question « Qu'est-ce que je peux faire ici ? Que vais-je pouvoir peindre ?» il a répondu comme il a toujours répondu dans son existence d'artiste, en marchant, en mettant un pas devant l'autre. Il s'est promené sur les bords du Tarn, il a pénétré le sous-bois, il s'est enfoncé parmi les taillis et les fûts, longtemps, souvent, marchant dans la boue et les feuilles mortes, observant les plantes, les champignons, les insectes, prenant des photos et des croquis que, bien sûr, au final, il n'utilisera pas. Les arbres ont-ils des arêtes ? Comme les harengs pendus à l'étal du marché, place des poilus à Perpignan ? Le poulpe n'est-il pas un arbre qui porte ses racines sur la tête ? Les tortues ne sont-elles pas des pierres qui marchent ? Et puis un jour, se souvenant sans doute des jungles peintes il y a peu en Cerdagne ou en Indonésie, il a trouvé la voie. Ce qui m'a plu, c'est l'absence de ciel, et tout ce gris était intéressant du point de vue pictural. Il a fallu que je trouve une autre manière de peindre. Il y avait beaucoup de doutes et d'angoisses, la peur de tomber dans la mièvrerie. Je n'allais quand même pas faire du corot. Et puis un jour, il a trouvé la lumière, là-haut, dans la futaie, traversant la frêle frondaison. Et il est devenu tronc, écorce, sève, feuille. Enfin, il est devenu arbre. Il est devenu les arbres. Des arbres en forme de roseau ou d'arête de harengs, peut-être, mais des arbres quand même. Des arbres d'ici et d'ailleurs, figuratifs et abstraits, graphiques et métaphysiques. Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d'animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu'il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l'animal. Pourtant, le scarabée trouve, à l'intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à sa survie, grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensibilité surpassent celles de n'importe quel mammifère. De ces excréments dont il se nourrit,
Le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu'on lui connaît et qui émeut notre regard. Le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d'Afrique, le noir de jais du scarabée d'Europe et le trésor du scarabée d'or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères. Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L'artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte, il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté. Quand le naufragé s'échoue sur le sable chaud du rivage, le premier à approcher, à venir jeter un œil, le plus prompt à flairer la bonne affaire, ce n'est ni le vautour, ni la mouette, comme on pourrait le croire, ni même la vorace colonie de fourmis rouges, mais pince dressée en avançant de travers, le crabe. Elle crinque, le terrible crinque, menuisier des carcasses et nettoyeur de cadavres. On se souvient, enfui parmi les roseaux, de ces cigales aux ailes cendrées et de ces moustiques à la trompe gonflée de sang. Nous reviennent à la mémoire ces arêtes de poissons décharnés, suspendus aux crocs, et ces tortues volant dans un ciel criblé d'étoncelles. Il nous revient encore cet étrange insecte d'or, ces noirs scarabées sous cafard, amonçant de la nuit en sécrétant sa nouée d'excréments étincelants. Nous nous rappelons ces pirogues posées sous les eaux mortes du fleuve et ces jungles luxuriantes, peuplées de silhouettes, récitant avec ferveur les figures du Kama Sutra. Puis, il y a eu Walidia, sa lagune, ses flamants roses et sa porte de l'enfer. Avant, il y avait eu Venise, Alma-Ata et Amsterdam. Après, il y aura Gaillac, Paris et Perpignan. La lumière, à un moment, est venue des arbres, dans les sombres et humides futaies du Tarn. Enveloppé d'une brume épaisse, il a été cherché contre vent et pluie, le bosquet roussi par l'automne, la noire abstraction d'un nid posé entre deux branches, ou la silhouette blanche des bouleaux émergeant comme des sentinelles dans le gris immuable du jour. Au milieu de son pays, au milieu même de son être, coule une rivière. Une rivière illuminée par les libellules dont la source est l'enfance. Une enfance parmi les herbes et les bêtes. En osmose avec les étoiles et les bestioles de toutes sortes qui habitaient alors le monde. Au bord de la rivière, comme il espérait, il a trouvé les cailloux, les rocs, les roches, les rochers, pierres, galets, boîtes crâniennes, dispersées le long des berges, rocasse épars comme les éclats d'une glace brisée avec fracas.
Au bout des pinceaux de Roger comme Estève, les rochers se dressent, volent, dansent, deviennent des bonhommes, des atomes, ou les sombres planètes d'une galaxie infime et tourmentée, auréolée de mauve et de rose. L'écriture traverse la toile, comme le train le paysage, comme l'éclair zèbre le ciel d'orage. Elle la sangle, la fait trembler, vibrer de toute son épiderme, et tout d'un coup, à nos oreilles, résonne la voix du dedans, la voix maudite de tous les peintres, de tous les temps, Caravage et Goya, Van Gogh et Rothko, qui, alors que autour d'eux le monde s'effondre, s'enchine jour après jour, coûte que coûte, à rejoindre leur atelier et à peindre leur pauvre grande œuvre. Tout d'un coup, surgissant de la calligraphie, déchirant le dessin, cassant la fragile figuration de l'ensemble, surgit le crabe. Elle crinque, monstre marin et marcheur, noir et menaçant, mécanique et nécrophage. De ses pinces coupantes, il tranche la toile, la mort, la tord, la découpe en menus morceaux et, la tâche accomplie, satisfait et revu, on abandonne les maigres repos derrière lui. Quel bruit font les pinceaux lorsqu'ils se posent sur le drap de la toile? Que pense le noir lorsque le peintre l'applique en larges aplats sous la feuille de dessin? Il y a en Roger comme Estève un Henri Matisse caché, clandestin, un coloriste qui s'ignore ou s'empêche, mais presque à son insu, dès que surgit le vert tendre, le jaune fluo ou l'orange oxydé, l'œil s'éclaire. La poitrine palpite, le cœur bat plus vite, car la vie est là. La vie est l'amour, avec ses exaltations et ses émotions exacerbées. Depuis toujours, Roger comme Estève a choisi son camp, le camp des femmes. Et son pays, l'Andalousie de l'amour, comme le chante le cantique des cantiques. S'envolent les rochers, se posent les rochers, s'envolent les rochers, se posent les rochers, elle quinte d'elle crinque, elle crinque. A beau chanter, entonner sa funèbre oraison, battre l'air de ses pinces maléfiques, ronger la chair et les os, se construire sa cabane en s'installant comme s'il était chez lui, à demeure. Ce ne sont pas seulement l'homme et la femme qui se dressent devant lui, ce n'est pas seulement l'amour qui s'oppose à sa malfaisance, mais la peinture tout entière. Et pour tout dire, l'art, ou du moins l'œuvre d'art, l'humble geste de l'artiste dévoré, qui lui dit pourtant d'une voix claire et ferme, « Je ferai de toi, ô crabe maléfique, aussi mauvais, aussi vénéneux sois-tu, mon matériau, ma nourriture, le plus fervent de mes ferments. »
Alors qu'elle remontait la rue vieille du temple, madame fut tout à coup saisie. Elle revint sur ses pas, s'approcha plus près de la vitrine et, plissant les yeux, chercha à mieux distinguer ce qui l'avait arrêté. C'était comme si le peintre avait posé un pan de nuit sur le mur blanc de la galerie. Madame recula de quelques pas, se rapprocha, recula de nouveau. Il y avait si longtemps qu'une peinture ne l'avait traversée avec cette force. Elle pensa confusément à Soulages, au Caravage, aux Pintura Negras de Francisco de Goya. Et sans y réfléchir, bénissant l'ami chez qui elle se rendait, elle poussa la porte et entra dans la galerie. Saluant à peine le galériste, affairé à son bureau, le visage à demi dissimulé par son ordinateur, elle se posta devant l'une des grandes toiles noires qu'elle avait entreaperçues de la rue et y posa les yeux. Aussitôt, elle se sentit happée par l'espace et les abysses qui s'ouvraient à elle. C'est comme si elle s'était mise à naviguer sur les limbes de la nuit. Les noirs, posés en larges aplats, étaient si incandescents qu'ils semblaient avoir été peints avec des pinceaux calcinés. De leurs obscures profondeurs émergeaient ici et là les ébrants comme des éclairs, des lueurs vertes, presque fluorescentes, qui appelaient le regard et l'aspiraient. La lumière qui s'en dégageait troublait madame davantage qu'elle n'aurait pu l'imaginer. D'où venait-elle ? De l'intérieur ou de l'extérieur ? Disparaissait-elle ou surgissait-elle de l'au-delà ? Ce dont elle était convaincue, c'est que cette toile avait été peinte juste avant qu'il fît nuit. Je peux vous renseigner ? L'interrompit le galeriste qui avait subitement pris conscience de sa présence. Madame se retourna et, cachant son agacement, elle hocha poliment la tête. Elle n'avait pas envie de bavarder et, lui tournant le dos, indifférente, elle s'avança, muette et droite, vers la toile. Elle aurait aimé se retrouver seule avec elle et s'envelopper dedans comme dans un manteau, ou mieux, l'emporter et l'accrocher au mur de sa chambre face à son lit et s'endormir en se laissant guider par les lueurs vertes presque fluorescentes. Intriguée par l'émotion qui venait de la saisir, elle se pencha vers le cartel de l'œuvre. Sans titre, Cosme Estève, 2015. Il y avait du Zénon, le personnage de Marguerite Yourcenar, moine errant et alchimiste de génie transmutant le plomb en or dans ce Cosme Estève dont elle ignorait tout. Comme lui, il vous invitait à traverser la nuit. Une nuit qu'il illuminait d'enluminures et de filets d'or. Comme lui, il irradiait les ténèbres qui nous entouraient et ne cessait de nous menacer. Il se dégageait des autres toiles accrochées sur les murs de la galerie, le même mystère, la même illumination. Chacune à sa façon vous emportait dans les plis de la nuit. Vous transportez dans les coulisses de l'Empyrée,
séjour des divinités célestes chères aux anciens. Ce n'est qu'au moment où elle quittait la galerie, retrouvant à regret la rue et la foule, que madame se rappela la phrase de Marguerite Yourcenar qu'il avait habitée tout le temps où elle s'était retrouvée face aux pinturas negras de ce Cosme Esteve qu'il avait comme foudroyé. L'important, maintenant, était de recueillir le peu qu'il filtrerait du monde avant qu'il fît nuit.
feu. Feu. La maison brûle. La maison brûle et tout ce qu'elle contient de chair et de précieux s'envole en fumée et se réduit en cendres. La maison brûle du sol au plafond et plus personne n'y peut rien. Tout va s'effondrer. Tout disparaîtra. Même la femme prise dans les flammes qui hurle son effroi en vain. Du passé, il sera fait table rase. Cette maison qui brûle, c'est la sienne. Et les hurlements qui s'en échappent, qui lui déchirent l'oreille de leur stridence, ce sont ceux de son amour en train de passer de vie à trépas, dans les plus viles souffrances. Le crabe, funeste pyromane, a allumé l'allumette. Ce n'est pas la première fois qu'une maison s'effondre derrière lui. Et sans doute, ce ne sera pas la dernière. À chaque fois, il a rassemblé son bagage. Il a repris la route. Vaille que vaille, il s'est redressé et a repris le cours de sa vie. Mais là, c'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Comme si le sol se dérobait sous ses pas. La dernière année a été longue et particulièrement éprouvante. L'hiver, blanc, d'une blancheur de linceul, de la blancheur des draps où son amour lentement se meurt, seul. Tous les matins, tôt, très tôt, il rejoint l'atelier. Et il se met au travail. Les toiles sont noires, de plus en plus noires. Les premiers temps, il y avait des crabes partout, cisaillant de leurs pinces coupantes la toile ou le papier. Mais au fil des mois, ils ont disparu, comme ont disparu les nasses, les carcasses de barques et les charpentes des cabanes. Ces toiles n'ont jamais été aussi abstraites et aussi noires. La Voie lactée sans la moindre étoile. On se croirait plongé dans l'espace infini. Le noir, aime-t-il à répéter, c'est la couleur de l'univers. Contrairement à ce que croit le Kidam, le noir ne signifie pas la nuit, l'obscurité, mais au contraire, ouvre sur la lumière, sur la transcendance. Puis, la chose arrive, terrible, qui le laisse chaos. Feu. Mon amour. De leur amour-feu, il ne reste qu'une poignée de cendres qu'il ira disperser un jour de beau temps dans les eaux bleues de la plage de la Balette, à l'ombre du clocher de Collioure. Comment se relever? Comment demeurer là où la foudre a frappé? Une fois de plus, il y faut faire ses valises, et baluchon sur l'épaule, les poings dans ses poches crevées, il reprend le chemin. Direction, Perpignan, Nefiac, le comptoir du Barcelona, ou une cabane sur la plage, les pieds dans l'eau et les yeux perdus sur l'horizon. Le retour sur terre est difficile. Le jour, un goût de papier mâché. Les nuits sont peuplées de fantômes. L'impression de vivre dans une chambre sans fenêtre.
d'avoir perdu le son de soi. Alors, il sort. Dehors, dévoré par l'ombre de la terre, la lune dans le ciel est presque noire. Et il reste longtemps ainsi, debout au milieu des roseaux, à écouter les étoiles. Il n'arrive pas à reprendre le chemin de l'atelier. C'est un nouvel atelier. Un nouvel atelier, c'est comme un nouvel amour. On a envie de bien faire, mais on ne sait pas très bien encore s'y prendre. Il faut du temps. Alors on le prend. Ou du moins, il le perd. Ici et là, avec des amis ou des rencontres de hasard. Féminines, de préférence. C'est que le printemps est revenu, et avec lui les beaux jours et une certaine douceur de vivre. Quoi de mieux qu'une fête, la nuit sur la plage, pour chasser les cafards de son crâne. On n'est pas sérieux quand on a 70 ans et qu'on est peintre en pays catalan. T'es rock, Coco ? Affirmatif, camarade. La joie de vivre est de retour. L'amour, heureusement, est une plante vivace. Et les jours reprennent de la couleur, les nuits de leur saveur. Il revient à l'atelier, dont il commence par salir les murs. Ça sentait trop le propre. Il fallait y apporter un peu de désordre. Les mots et les bestioles qu'il griffonne s'entrechoquent dans un tourbillon qui emporte l'esprit. Au milieu des habituels et presque rituels improperies, insultes et autres insanités adressées à peu près tout le monde, on distingue des bribes des phrases de Pessoa. Parmi elles, celle-ci, écrite à plusieurs reprises. Nous ne marchons qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Sur la toile qu'il a posée ce matin sur le chevalet, il a croqué la silhouette bitumée d'une maison que l'on vient de détruire ou qu'on est en train de bâtir. On ne sait pas vraiment. Une nouvelle maison dans tous les cas. Casa de phoque. Une maison de feu sous un ciel embrasé, lourd d'orages et d'imprécations. Un immense incendie embrase l'air et il pleut des rochers et des arêtes de poissons. Le pinceau a l'éclat de l'éclair. Alors qu'il pense en avoir fini, on se croirait dans une grotte éclairée par la flamme vive de la torche, il se rend compte que dans le coin gauche du tableau, au pied de l'escalier, face à la maison évidée, il manque une pintade. Pas un escargot ou une tortue, non. Une pintade. Une jolie petite pintade. Il n'hésite pas bien longtemps. Il la dessine aussitôt, la jolie petite pintade tachetée. Il y a des matins comme ça, où tout est simple, où rien n'est compliqué. Lorsqu'il quitte son atelier ce jour-là, après des heures de labeur, il laisse derrière lui, comme un fardeau dont on s'est délesté, une part de rage et un chevalet en flammes. Jean Cocteau, à qui on lui demandait un jour ce qu'il emporterait si un incendie se déclarait chez lui, a répondu, avec l'esprit qu'on lui connaît, le feu.
Roger comme Estève, lui, à la même question, aurait pu répondre la couleur du feu.
Un tout petit mot pour vous remercier de votre présence, de votre écoute. Je ne sais pas si Roger, tu es en possibilité de venir nous faire un petit coucou, de dire bonjour quand même, peut-être à tout le monde. Un tout petit mot pour féliciter Roger de son silence et de sa présence. bien sûr, cette lecture, cet espace n'aurait pas été possible sans l'œuvre de Roger. Ceux qui me connaissent, ils sont un certain nombre dans la salle, savent que j'ai beaucoup œuvré pour que le travail de Roger soit visible et présent, non seulement à Alma Ata, non seulement à Walidia, non seulement à Amsterdam, mais aussi à Toulouse. Donc j'en suis heureux. Si vous aimez l'exposition, je vous invite à la faire découvrir. On a beaucoup travaillé ensemble, tous, pour pouvoir donner l'écrin qui nous paraît nécessaire, suffisant, légitime à l'œuvre de Roger. Un tout petit mot aussi, parce qu'il n'est pas simple d'être une personne et de devenir un personnage, et que Roger a accepté ce chemin, qui est un chemin poétique, parfois douloureux, en tout cas toujours à vif, mais qui est un chemin qui nous laisse vivants. Voilà. Un grand merci à vous. Bien sûr, cet ensemble n'aurait pas pu être possible sans l'aide de la médiathèque Cabanis. Donc un grand merci à toute l'équipe, à Lidvina Rivel, sa directrice qui depuis le début a dit OK sur le projet. Bien sûr à Claire Ramon, à Laurie Aragoise qui nous ont soutenus dans la mise en place du projet. Un grand merci à toi Fabrice qui nous a beaucoup aidé et soulagé. Et puis également un merci à Ombre Blanche qui a accompagné cette exposition pendant quelques semaines d'une exposition de dessin. Voilà, un grand merci à vous.